Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes le mercredi 8 mars. Le colonel Penquin, arrivé lundi soir à Paris, a eu hier matin avec monsieur Guillain, ministre des colonies, un entretien à la suite duquel le Conseil des ministres aurait décidé, nous dit-on, de remplacer le général Gallieni à Madagascar par le colonel Penquin. D'après certains bruits, le rappel du général Gallieni serait motivé par son refus de modifier à l'avantage de l'Angleterre le régime douanier qu'il a établi pour ne pas ruiner le commerce français dans l'île. Une autre version serait que le général viendrait simplement en France pour se reposer quelques mois. La situation en Chine se complique à vue d'œil, et non pas seulement au point de vue de la réalisation du but et du plan que semble poursuivre l'impératrice douairière, décidément résolue à garder entre ses mains la totalité du pouvoir suprême, mais encore et surtout sous le rapport des rivalités européennes qui s'accentuent de jour en jour. On sait que M. de Gierse, le ministre de Russie à Pékin, a récemment adressé au Tsunli Yamen une note conçue dans des termes assez durs pour protester contre deux clauses de l'emprunt chinois conclues à Londres, clauses qui, selon lui, violent les engagements contractés par le Céleste Empire auprès du gouvernement du Tsar. On en annonce aujourd'hui que le Tsunli Yamen a répondu à la protestation russe par une réfutation catégorique. Nul doute que cette fin de non-recevoir, évidemment suggérée par l'Angleterre, ne provoque de la part de la chancellerie de Saint-Pétersbourg une pression des plus énergiques. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.